Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Stéphane. J'espère que vous allez bien ce matin. On est la fête du Canada, alors bon 1er juillet. Il fut un temps, dans une autre vie, où le 5e de 1er juillet, c'était la journée du rush, où est-ce que pendant 10 ans de temps, ma réalité était que le 1er juillet, je travaillais 5e de temps, puis... Jamais on profitait du 24, puis jamais on profitait du 1er, parce que je travaillais sur le transport, on était sur les déménagements dans ce temps-là. Alors, je compatise avec ceux qui travaillent le matin, qui sont après faire un moving, puis qui sont après bouger du monde d'un building à l'autre, parce que c'est la fin des bails aujourd'hui, et donc il y a plein de places qui changent, puis yob est à 4 le matin, puis ça se zénit, puis en tout cas, c'est pas la meilleure journée aujourd'hui. C'était la journée du temps double pour nous autres. On était payant cette journée-là, fait qu'on travaillait 500 grammes de temps. Donc, plein de petites choses à vous parler ce matin. La première, ceux qui me suivent, ben hier, j'étais en vacances, hein, fait que... Puis nous autres, on est en envers des autres. Quand on est en vacances, on va en ville, puis ceux qui sont en ville, ils vont dans le bois, mais nous autres, on reste dans le bois, fait qu'on va en ville. Fait que c'était ça. C'était ça les petites vacances de ce long week-end. Fait qu'hier, on était à Montréal. On est allé voir notre gang de CCDB, là, puis les regarder aller, puis voir comment c'était. Puis c'était bien drôle. Ben, on n'a pas les mêmes. Les souliers sont blancs. C'est vraiment drôle. Mais je me suis échappé. Hier, on a fait 3 places, moi, puis Caroline. Je suis allé, ceux qui ont vu la vidéo, je suis allé à la boutique Salmo Nature. C'est une institution, hein, la Salmo Nature, depuis ça existe. Avant, c'était M. Leblanc qui est là. Maintenant, c'est une nouvelle génération qui ont acheté ça. Puis des kids, on fait attention à ce qu'on dit, là, on veut pas les... Mais ils sont vraiment gentils, vraiment consciencieux. Les conseils qu'ils m'ont donnés, c'était le fun. Puis c'est différent, hein, puis... Tu sais, j'ai tout le temps pêché à la bouche, mais là, tu sais, on voit que ça change un peu, puis c'est plus la mode à change, puis tu sais, l'avenue d'Ouquet, puis toute cette affaire-là, tu sais, fait que ça change. Sauf que là, faut donner à César ce qui est à César, ils ont raison, les vestes à moucher, c'est pesant, ça te poque en avant, t'as de l'air de même, puis je sais que ça donne un style aussi, là, mais j'aime la nouvelle vision d'avoir un sac, que t'as rien sur les épaules, que t'es à l'aise pour pêcher, puis tu le quittes. Mais, moi, je me cherchais de quoi de différent parce que je trouve que la façon que les sacs étaient faits, c'était pas... Je voulais un hybride. Je voulais de quoi que ça pouvait me faire un sac à dos puis que je peux mettre alentour de la taille aussi. Puis tout dépendant de ce que je pouvais faire. Fait que, en les trouvant, ça s'appelle... C'est Fishpod qui fait ça. C'est un sac de taille assez quand même volumineux. T'as de la place pour mettre ta prise. Fait que de la façon qui est faite, t'as 4 places pour pouvoir mettre une prise. Fait que si tu le portes en sac à dos... C'est comme ça, en sac à dos, ben ta puce va être en l'air. Puis si tu le portes en sac banane, ben tu vas l'avoir aussi de cette façon-là. Fait que c'est bien fait. La courroie est en bidex. Tu peux changer le bord que tu veux. Puis il y a la courroie de centre, là, tu sais, pour venir l'empêcher de bouger. Si tu marches, tu fais de quoi? Fait que ça a bien du bon sens. J'ai trouvé ça bien intéressant, ce genre de sac-là. Fait que naturellement, il s'est ramassé dans la nécessité aiguë. Puis... j'ai acheté un lot de mouches aussi, là. J'avais besoin des mouches. Fait que j'ai hypothéqué ma maison, puis j'ai acheté des mouches, sacrément, ça coûte cher. C'est incroyable comment est-ce que ça a augmenté le prix des mouches, puis comment est-ce que c'est. Puis, tu te laisses aller, là, mais quand tu arrives au cash, tu fais 5 grammes, ok, c'est moi ça, c'est sûr, c'est moi, tu as-tu bien compté? Mais non, fait que c'est ça, fait que j'ai bien apprécié une super belle boutique bien faite, puis... il y a du stock en masse, puis ils galvaudent un peu entre la chasse puis la pêche, plus pêche à la mouche, mais tu sais, ils ont les vêtements Sitka, puis en tout cas, c'est une vraie belle boutique, puis c'est une boutique au centre-ville de Montréal, directement sur McGill, là, tu sais, là, fait que c'est une clientèle d'hommes d'affaires souvent qui vont là, mais si vous allez à Montréal, je vais vous donner un petit itinéraire qu'on a fait hier, ok, vous allez comprendre, fait qu'hier, t'as la boutique Salmo Nature. Après ça, ben faut que tu gagnes guerre lousse. Fait que ma blonde est allée visiter Montréal un peu. Là, on s'est promené, on est allé faire la main. Puis après ça, en remontant, on a décidé d'aller manger au restaurant. Puis une des meilleures pizzas que je connais. Puis pour de vrai, là, Caro a dit, Chris, elle dit la pizza est meilleure ici qu'en Italie. Elle dit ça n'a pas de bon sens. Hein. Si vous avez une chance, échappez-vous au restaurant Gemma. OK, c'est au coin de Saint-Dominique puis Dante. Dante,
ça vous dit-tu de quoi? Fait que ça te permet de joindre l'utile à l'agréable. T'sais, moi, je disais à ma blonde, je disais, oh, va choisir une table, 2 minutes. Moi, je vais juste aller à l'autre bord chez Rudy, je vais aller juste lui dire bonjour. Fait que je suis allé 2 minutes. Ouais, qu'est-ce qu'il avait reçu, t'sais? Fait que ça vous permet. C'est juste en avant de la boutique chez Dante, juste au bord de la rue, le restaurant de Gemma. Je vous dis, la pizza, les boulettes, les polpettes, là, les boulettes de viande, c'est malade. Comment c'était excellent. Vraiment, vraiment, vraiment un bon restaurant. Manger dehors sur la terrasse, il faisait beau, il faisait chaud. C'était parfait hier, c'était vraiment parfait. Puis, comme je vous dis, ben, quand je suis allé voir Rudy, je suis allé le voir, je dis, les munitions, elles sont à l'air. Ouf! Ouf! Quand, il fait partie de mes certains contacts que j'ai quand je vous dis, écrivez-moi, ils reçoivent des munitions. Mais ben, Rudy fait partie de ceux-là. Il dit, Stéphane, il dit, écoute, il dit, normalement, là, il dit, les calibres, là, il dit, ça prend 24 heures, ils en ont plus. Puis les autres boutiques avec qui j'ai parlé, c'est la même affaire. Fait que, tu sais, quand on vous parle de quand je vous dis, là, venez m'écrire en privé, premièrement, c'est parce qu'on veut pas inonder le magasin. Fait que je suis le premier filtre, mettons, jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Parce que comme là, tous ceux qui m'ont écrit, il n'y en reste plus. Là. À nulle part, il n'y a plus de 300 WSM. Des 270, c'est rare. Le matin, j'ai réécrit à 2-3 personnes, mais c'est super rare. Fait que, tu sais, faut vous compreniez que ça rentre au compte-gouttes. Puis ce que les gars me disaient, Rudy me parlait de ça, mais d'autres aussi m'ont dit ça. Tu peux pas te permettre d'être difficile, là. Je comprends que ça prend une boulette courte et longue distance, mais si t'as un calibre rare, Chris, ramasse qu'est-ce qu'il y a, là. Attends pas, là. T'en auras pas. Fait que, tu sais, faites attention à ça. Puis, en tout cas, on essaie de vous passer l'information du mieux qu'on peut. By the way, ce matin, je suis pas en live parce que les internets, c'est capote. Il pleut, ça a l'air partout, ça province. Pas ici encore, là, mais il pleut partout, sa province. Fait que, il n'y a pas d'internet. Fait que, je vous le préenregistre. Puis, je vous le donne tout de suite après, là. Dans la seconde que j'ai fini, je vous le remets. Mais, les internets fonctionnaient pas ce matin. Fait que, je peux pas répondre à vos commentaires. Mais, je vais aller les lire. Si moi, il m'envoie le temps en masse, je suis en vacances. Je vais m'amasser, puis je vais aller vous lire. Puis, là, je sais pas si vous avez des questions ou n'importe quoi. Ça va me faire plaisir. Fait que, ça a été un petit peu ça hier, notre journée de congé. Hey, si vous avez une chance, allez sur Coach de chasse, allez voir, je vous ai mis un paquet de vidéos, mais j'ai de quoi de drôle à vous parler. OK, vous allez revoir là, des vidéos intéressantes sur l'accident de la route avec les orignaux. Faites attention, on est dans le temps où si les orignaux sortent du bois, il y a trop de mouches, fait qu'ils vont aller dans les chemins. Faites attention à ça. Un bouc qui mange toute une volée par un whitetail, par un chevreuil. Naturellement, j'ai reçu beaucoup de posts concernant les pourvoyeurs au barrage coin parce qu'ils ont tiré une ligne imaginaire, puis ceux qui sont à gauche de la ligne sont en hostie, puis ceux qui sont à droite, ils peuvent opérer, puis la ligne est mal faite, puis ils n'ont pas pris en considération le nombre de pourvoiries. En tout cas, c'est ça. Ils n'ont pas fait ça simple. Fait que vous irez lire ça. Des vidéos de Saline, Jocelyn, qui n'arrête pas de m'envoyer des vidéos. Il fait un job d'enfer là, pour nous autres. Là. Merci beaucoup des vidéos, Joss. Allez voir comment est-ce qu'il procède. Puis ça fonctionne. Il y a des techniques à lui. Allez voir ça. Ça fonctionne, ses affaires. Ça va bien. Vous allez voir une vidéo de Megabuck, là. Attention, ce n'est pas dans un territoire public, c'est dans un enclos. Mais allez voir quand même où est-ce qu'ils sont rendus avec la génétique. C'est hallucinant où est-ce qu'ils ont poussé les Américains avec la génétique, ils sont rendus sa coche. Une vidéo d'une truite au ralenti qui saute sur un insecte, c'est malade, OK? Puis, il y a un article qui est sur les femmes, OK? C'est une étude intéressante que j'ai mise sur Coach, juste pour, peut-être pour changer les trends, comment je peux vous dire ça? Pour changer un peu la façon de voir les choses, c'est qu'il aurait découvert que dans le temps de la préhistoire, 79% des femmes, je ne sais pas comment on fait pour revenir à 79, là, mais des femmes chassaient. Les femmes étaient plus, sinon meilleures que les gars à la chasse à cause de l'utilisation des armes qu'ils fabriquaient. Fait qu'ils sont très prêts à prouver que ce mythe-là, que les femmes restaient au camp pour entretenir la caverne, puis entretenir les enfants, puis juste de ramasser, de cueillir des petits fruits, ben c'était pas vrai. Les femmes étaient aussi participantes, étaient aussi efficaces que les hommes sur la chasse, puis ils dominaient vraiment les techniques de chasse de cette façon-là. Alors, mesdames, n'hésitez pas,
Ça fait partie de vos gènes de venir à la chasse. Donc, allez-y. Puis, ça change aussi dans l'article. Vous irez lire ça, c'est intéressant. Mais ça change les idées préconçues des rôles des hommes et des femmes sur les communautés. Puis, commentaire surtout par rapport à ça, sur la chasse. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment un article intéressant qu'il y a dans Coach ce matin là-dessus. Donc, mesdames, n'hésitez pas à venir à la chasse avec nous autres. Mais ça augmente, hein? Là, les chiffres, ils s'entendent plus. À un moment donné, ils disaient 25-28% des femmes à la chasse. Puis moi, j'ai pas eu des études, ça va jusqu'à 45%. Fait que les femmes sont en pleine croissance. Puis on le voit de plus en plus aussi, ces rivières. Hein? La pêche au saumon, il y a beaucoup de femmes. Pour la pêche aussi conventionnelle, il y a beaucoup de femmes. Fait que bienvenue à la gente féminine, anytime, moi, chez nous, on est élevé de même, là, fait que, puis, gardez Jen, elle nous suit, puis, il y a un côté pas le fun des fois, là, mais, un côté, en fait, ce que je veux dire, c'est que, il y a certains hommes, un petit peu misogynes, dans ce domaine-là, mais, vraiment pas, puis, si vous venez à côté de nous autres, il n'y en a pas de problème d'avoir des femmes qui vont participer à ça, puis, je suis content de voir que cette étude-là amène ça sur un autre sens, maintenant, fait comprendre un peu que, des fois, c'était bizarre, hein? Où est-ce que l'humanité s'est en allée par rapport à ça? T'sais, si on se souvient au début du siècle, les femmes ne pouvaient pas voter, les femmes ne pouvaient pas aller d'un bord, toute la quitte. Puis ça a changé, là. T'sais, ça a pris une couple de femmes qui ont pitché leur brassière, c'est vrai, c'est vraiment le cas de le dire, pour brasser ça. Puis les jeunes femmes ne sont pas au courant de ça, de toutes ces femmes-là, du travail qu'elles ont fait pour prendre leur place qui leur revient. Puis c'est une grosse évolution, ça. Donc, ne lâchez pas, venez à la chasse. Ça va être vraiment nice. Il n'y a pas de problème avec ça. De toute façon, je l'ai tout le temps dit, vous êtes meilleurs. Moi, de tout ce que j'ai guidé, de tout ce que j'ai montré, de tout ce que j'ai entraîné, les femmes, vous êtes. Ah, là, ça ne fera pas plaisir aux gars, mais vous êtes. Ça coche. Vraiment, vraiment. Dans un autre ordre d'idée, bonne fête à un chum à moi, matin. Je l'ai su trop tard, mais c'est pas grave, ça lui donne une journée de plus. Allez y dire. Si vous m'écoutez un matin, vous êtes à son camping, vous êtes chez eux, OK? C'est Nicolas Morin, le propriétaire de chez Sécorel. Allez voir Nick, puis allez y dire. Hey, Monette, t'as souhaité bonne fête, t'as encore ta fête avant, il va partir à rire. C'est Éric Filion qui m'a envoyé ça. Merci Éric, la règle d'info, je n'avais pas pensé non plus. Puis j'ai parlé à Nick cette semaine. Fait que bonne fête, mon chum. Profite bien de ta journée. T'as une deuxième journée gratuite de fête à cause de la communauté au jazz. C'est vraiment cool. Augmentation des tiques sur la côte nord, ce qui était pas, qui était jamais arrivé, ben. Changement climatique, feu de forêt, peu importe, là, je niaise un peu, là, mais changement climatique amène que maintenant, ils ont découvert des tiques beaucoup sur les animaux domestiques. Alors, on présume vraiment que s'il y en a ces animaux domestiques, ben, il va en avoir ces gibiers. Par contre, la côte nord, à cause de son climat aride, il n'y a pas beaucoup de serres de Virginie. Alors, pour la maladie de Lyme, je suis pas tellement inquiète. Pour les tiques d'hiver, ben, s'ils en ont trouvé sur les chiens des tiques ordinaires et non pas des tiques d'hiver, ben probablement que c'est une question de temps pour que ça arrive. Malgré que les concentrations d'orignal sont moins fortes sur la côte nord, sont plus dispersées, le cheptel est moins concentré. Alors, pas trop inquiète de ça, mais par contre, soyez avisés que si vous voyez des tiques sur vos animaux, il peut en avoir sur vous autres. Puis si vous en avez sur vous autres, il faut les enlever doucement en les tournant, pas en tirant, pour pas faire d'infection, puis pour pas qu'il y ait de problème. Hey, là, faut que je vous compte de quoi matin. Dans Coach, je vous ai mis une vidéo, OK? Puis ça m'a fait vraiment rire. Je vous ai mis une vidéo d'un gars qui est assis dans son stand, puis le gars, allez voir ça, si vous allez mourir. Puis là, le gars, il fait, puis là, il filme. Là, tu vois le gars, il a sa carabine en bas. Puis là, tu vois le gars, il monte. Il se place les fesses, tu sais, puis là, il place son stand. Là, il n'entend rien parce qu'il était qu'un auto-grimpant, tu sais. Puis c'est du freeland, là, tu sais. Fait que là, tu vois le gars, il s'assied, tu sais. Puis tu vois que le gars, c'est un. Mettons, un apprenti, début chouclaque de. Fin chouclaque de béton, qui est après se transformer, OK? Fait que tu vois le gars monter, puis il s'assied, tu sais. Là, quand il est tout assis, qu'il se place tout, le gars, il fait. Il se tourne, puis il fait, en voulant dire, Chris, qu'est-ce que tu fais là? Ben, ce que ça dit dans la vidéo, c'est que le gars t'a déjà installé dans le Freeland. L'autre, le clown, t'es arrivé avec son stand sur le bord du chemin, il a monté le stand, il n'a pas regardé des autres arbres s'il y avait du monde parce qu'il trouvait que la place était belle, tu sais, puis ils sont à un arbre, un de l'autre, là. Fait que, vraiment drôle, mais tout ça, faut que je vous compte ça, t'sais. Un moment, moi, j'en ai fait en masse du Freeland, OK? Puis, à un moment donné, on chassait des bûchers dans mon coin chez nous à Amherst, le Chevreuil.
Puis il y avait de la pression de chasse, il y avait du monde en cibole. Fait que le but, c'était d'arriver bien de bonne heure le matin, puis d'être capable de se placer dans les bonnes places avant que les gars arrivent. Puis de toute façon, ce qui arrivait souvent, c'est que si tu arrivais avant, les gars qui rentraient en bas du chemin quand toi tu étais rendu en haut, ils te poussaient les chevreuils. Fait que là, quand le soleil se levait, les chevreuils passaient à nous autres, parce que les gars, eux autres, rentraient plus tard, puis ils nous poussaient les chevreuils. Nous autres, on rentrait bien de bonne heure le matin. Fait que ce matin-là, moi, je passe par une place, puis à l'époque, je peux vous conter ça. À l'époque, j'étais. Avant de connaître les lois comme il faut, et à cette époque-là, les lois n'étaient pas aussi sévères qu'aujourd'hui. On ne mettait pas de zone, OK? Parce que quand on allait dans le Freeland, on se cachait. On voulait vraiment pas que personne nous voit. Fait que, puis ce matin-là, quand je pars, il y a à peu près 2 pouces de neige. Mais le temps que je monte à mon spot, il se ramasse à 4-5 pouces de neige. Fait que mes traces sont toutes effacées. Fait que là, je suis habillé tout en blanc. Mon gun, il est tout tapé blanc. Je suis au chevreuil. Puis là, je me rentre dans la neige. Je suis bien comme il faut. Puis là, ben, il neige. Là, ça me tombe dessus, tu sais. Puis là, je bouge pas. Je suis avec ma carabine. Puis là, j'attends. Ben, je le sais, mais que les gars arrivent. Ils vont nous pousser des chevreuils. Puis là, on va peut-être avoir des chances d'en cabocher un, tu sais. Fait que. Là, le soleil se lève. Si on n'entend pas. Les gars embarquent, ils arrivent, là nous autres on est assis, puis on attend. Là ça s'en vient. Là, on entend un gars monter. Là on regarde, c'est pas de chevreuil, y a rien. C'est ce matin. D'un coup, si je te vois arriver deux. deux CCDB qui commencent à chasser peut-être. Là ça s'en vient. Ça. Là, il y en a un qui regarde, il fait. Hey! Il dit. Il y a des traces dans la neige, mais ça a l'air à faire longtemps. Fait que l'autre, il dit, on va y suivre, on va aller voir où ça mène. Là, moi, je les vois arriver là, dans le bas de du buton. Aussi. Là, je me dis, hostie, ils vont monter dans mes traces. Là, moi, je suis assis, puis je vous le dis, là, je suis full white, puis en plus, le soleil commence à se lever. Fait que j'ai tout pour moi, là, tu sais, la brunante est là, c'est pas encore full soleil. Je suis assis, j'ai la carabine sur les genoux aussi. Puis là, je suis de même. Puis tu sais, je vois juste au bout de ma calotte. Là, je les vois s'en venir, les deux clowns. Ils s'en viennent. Puis là, tu sais, il est monté. Ils s'en viennent. Hey, là, je bouge pas. Les gars, là, ils arrivent au bout de mes bottines. Puis là, le gars, il regarde. Il est proche en sacrement. Il est collé sur moi. Puis là, il regarde, il fait, hey! Les pisses, ils arrêtent ici. Hey, moi, je me lève la tête. Je dis, qu'est-ce que tu fais là? Hey, les gars, ils ont déboulé le buton aussi. Ils ont fait un sacrement de ça aussi. Capoté. Puis là, hey, t'es-tu malade aussi? Comment ça, t'es là? Puis fait, là, moi, je ris à main. Hey, les boys, aussi, on chasse ça. Ce buton-là. On est 5 gars. On protège ça. On chasse ça. Reprends les traces, si tu descends en bas, va pogner un autre spot. T'as pas vu qu'on avait mis des pick-up en bas? Yes, ça va bien. Avec les traces qu'il y avait là, c'est qu'à cette dispense. On pensait pas que c'était frais. Ben non, tu sais. Fait qu'en tout cas, ils t'ont eu un hostique de peur, ces gars-là, ce matin-là. Fait que c'était vraiment drôle. Fait que ça m'a fait penser à ça un matin. Cette histoire-là du gars qui monte son stand puis que l'autre arrive à côté. Fait que vraiment, vraiment nice. Plus léger à matin, hein, vu que c'est la fête du Canada, là. j'ai tombé sur une étude aussi intéressante un matin. Je vais vous parler de ça. J'ai pas beaucoup de questions. En fait, j'ai pas eu le temps de passer à travers toutes vos questions. Il y en avait trop. Fait que là, avec la pluie, on va avoir le temps de masser pour passer à travers ça. Mais juste en terminant, je vais vous parler de quoi. Il y a beaucoup de pêcheurs de saumon qui sont inquiets des bords rayés qui montent des rivières à saumon puis qui mangent les tacons, okay, qui mangent les saumonaux. Fait que il y a eu plusieurs articles de tomber là-dessus, dont une, je l'ai-tu partagé? Je me souviens pas. En tout cas, je vais vous en parler. Les biologistes du ministère disent que la dévalaison des tacons est excellente. Ça, là, c'est quoi la dévalaison? C'est qu'au printemps, quand les saumons sortent des rivières pour s'en aller en mer se nourrir, ben les tacons, ils suivent la gang. Les bébés saumons, ils suivent la gang. Quand ils sont rendus une certaine longueur, ils s'en retournent en mer. Fait que les biologistes les comptent pour voir comment est-ce que c'est. Vous allez voir où est-ce que... premièrement, il y a des guides, je vais vous nommer le nom du guide. Il y a des guides qui sont inquiets de ça, qui voient des bords rayés attendre les saumonaux aux entrées des rivières. Puis la même affaire, qui attendent les... qui voient des bords rayés des rivières à saumon. Fait que les biologistes disent qu'il n'y a jamais eu de si bonne dévalaison, qu'ils manquent de tag quand ils le font.
Il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dedans. Première affaire. En 2018, il y a une étude qui est sortie du, science, de la, de, du journal Science Haléotique et Aquatique. Il rapportait que 18% des saumonaux étaient dévorés par les bords. Première affaire. Deuxième affaire, tu as le guide Pierre Damo qui est vraiment inquiet. C'est un guide qui est assez réputé, ça arrive à Matapédia. Puis, il n'est pas content, puis il brasse un peu comme un certain Monette aussi dans le chevreuil, OK? Puis là, ben, ils ont passé en entrevue une biologiste du ministère, puis pour y demander. Puis quand j'ai écouté l'entrevue, est-ce que les oreilles m'ont scellé, sur le fait que elle a dit qu'il n'y a pas de problème pour le moment. Moi, c'est la première affaire. Pourquoi tu dis qu'il n'y a pas de problème pour le moment quand tu nous dis que, parce que dans le reportage, elle a dit que le bord rayé était là avant, qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter, bla 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 bla. OK? Mais là, elle a dit qu'il n'y a pas de problème pour le moment. Ça veut dire quoi ça, selon toi, là? Hein? Là, tu me mets en doute de ta façon de voir comment est-ce que toi tu fais ta job. Puis encore. Dans l'entrevue qu'elle fait, elle dit, on ne connaît pas vraiment encore l'impact. Chris, c'est ce qu'on te parle, là. You! Là, tu n'es pas certaine, puis là, tu ne connais pas vraiment l'impact, puis tu vas venir me dire. Puis, l'autre affaire, c'est qu'elle dit, on n'a pas à s'inquiéter parce que les populations de saumon vont très, très bien, sont en montant dans la rivière Matapédia. Si, c'est pas ça la question. Pourquoi tu dis que c'est en montant par rapport à quoi? C'est en montant par rapport au problème qu'on a eu il y a 10 ans, que le saumon est en décroissance, la pêche commerciale était trop haute, mais que là, ça monte bien. Mais c'est quoi la capacité du milieu exact pour une rivière à saumon? On pourrait-tu le savoir? Pour avoir un barème, pour être capable de se gagner. Tu sais, on n'est plus aussi innocent qu'on était, là. On commence à connaître un peu c'est quoi la capacité de l'habitat, comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que ça doit être. Puis là, toi, t'arrives en me disant ces deux affaires-là. Oh, là, moi, ça me met un petit peu. Puis, je vous dis, on n'est plus rendu si innocent que ça. Puis là, ben, quand on pose des questions, qu'est-ce qu'ils font? Ils ferment le téléphone, s'ils ne veulent plus nous parler. Fait que, tu sais, je comprends que les guides sont inquiets, que les guides demandent des réponses, puis que là, quand t'arrives avec des affaires, est-ce qu'ils tirent des conclusions trop vite? Est-ce qu'ils veulent pousser, voir qu'est-ce qui va arriver? On veut pas ça. On veut pas ça dans le chevreuil. On veut pas ça dans l'arignal, Chris. On veut pas ça non plus dans le saumon. Tu sais, fait que... Tu sais, là, je t'ai prélé mes notes, là, mais tu sais, comme elle dit, c'est un record de population. Par rapport à quoi? Tu sais, la capacité du port de l'habitat dans le salle de Virginie, on la connaît. La même affaire pour l'arignal. Mais dans le saumon, par rapport à quoi? Puis là, j'ai cherché, j'ai rien trouvé qui me répondait à ces questions-là, tu sais. Fait que la question qui tue, c'est vraiment ça. C'est un record de population par rapport à quoi vous vous basez? Pensez à ça aujourd'hui. Hein? On pense à ça aujourd'hui. On va mûrir ça là-dessus. Si vous avez des informations là-dessus, peu importe, ou n'importe quoi qui peut m'éclairer sur ce que je viens de parler, amenez-moi ça. Ça va me faire plaisir d'en reparler et de replacer les affaires. Mais ça, ce qui est rendu un peu plate, puis vraiment, là, la biologiste, c'est très apprécié qu'elle ait été au BAT, là, qu'elle ait été à l'entrevue avec le gars de la radio, tout le kit. Sauf que le gars de la radio, il connaît pas ça comme nous autres, on connaît ça. Puis surtout pas comme les guides qui ont les pieds dans la boîte, qui sont tout le temps dedans. Fait que tu sais, ces deux questions-là, ça serait peut-être le fun de se faire éclairer, de voir comment est-ce que c'est. S'il y en a, là, je vous le dis, là, venez répondre, venez m'aider, venez comprendre, parce que ça marche pas dans ma tête, ça marche pas la bine qui rentre les deux oreilles, ça marche pas le matin. Mais... c'est ça. C'est juste ça. Si j'ai pu vous sensibiliser sur le fait que le bar peut-être peut faire du dommage. Tu sais, les pêcheurs d'eau mort, c'est la même affaire. Ils capotent, là. Ils ne trouvent pas ça drôle. Ils trouvent que le bar mange trop d'eau mort. Fait que, ouais, mais les populations vont bien. Ça ira pas si bien, population, bientôt. Là. Un demi-degré de différence dans la baie des chaleurs, puis les eaux morts s'en vont. Un degré, deux degrés peut-être, là. Mais c'est pas bon. Fait que, ça, c'est toutes des affaires qu'il faut suivre, puis poser des questions, puis pas laisser aller ça. Et c'est dans On jase qu'on en parle. C'est vraiment drôle. Hey, likez, partagez, invitez, surtout commentez. Je m'excuse ce matin pour pouvoir être en live avec vous, mais les internets, parfois, fait qu'il faut que j'y aille avec qu'est-ce que c'est. Posez des questions, lâchez pas. Puis tous ceux qui m'ont posé des questions, là, je vous dis, puis les balles, il n'y en a plus. Là. Je vais vous répondre, mais il n'y en a plus ben, là. Fait qu'on reste dans le même. Puis aussitôt que j'ai des nouvelles, aussitôt que j'ai quelque chose, ben, je vous reviens. Puis les boutiques qui en ont, gênez-vous pas de me le dire. Ça va me faire plaisir de parler de vous autres, de vous envoyer le monde. Le but, c'est de passer l'information. Sur ce, passez une excellente journée. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Puis on se voit demain matin. Ciao. Bonne fin du Canada, là. Ciao.